Nobuo Uematsu. Ah, ouais, compositeur très connu. On l'a. A écrit le thème principal de quel Smash Bros? Il sort du coup. Incroyable. Merde. Question extrêmement simple. T'avais la réponse? Oui, tout à fait. Qui est qui est normalement Super Smash Brawl. C'est la bonne réponse. C'était bien Brawl, mesdames et messieurs. Xari, seul vainqueur. Et c'est pas pour rien qu'il a une étoile sur le maillot ce soir. Je pense que tout le monde a eu la bonne réponse en effet. Aucun échec ici. Absolument magnifique. C'est vrai que j'avoue, du côté d'Ailey, ça t'est laissé à chaque fois. Alors maintenant, tu n'auras pas la bonne réponse. Mais mon iPad fait pareil. Donc. Fabuleux. Faut me dire, on s'en bat. C'est la télé, c'est le truc maudit. Que faut-il faire avant de pratiquer un effort physique? C'est petit 1, lancer Fortnite, petit 2, s'étirer, petit 3, manger au McDo. Oh, c'est faux. Quoi? S'étirer, c'est faux. C'était pas s'étirer. Tout est faux, les gars. C'était pas s'étirer. Alors ça, c'est sûrement un problème logiciel. Voilà. D'accord. Alors en fait, ils ont inversé deux questions et la bonne réponse, c'est donc manger au McDo, apparemment. qui est Camille Lacour? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Max? Aucune idée. Aucune idée. C'est un très bon chanteur. Camille Lacour. Mais c'est un Pokémon légendaire. Allez, on affiche la bonne réponse qui était bien sûr Xari, toi qui es très fort. Un nageur. Un nageur, en effet. Quelle est la racine carrée de 1 800 000... Non, je déconne. Quelle est la racine carrée de 9? Et eux, ils jouent vraiment à côté de moi. Non, mais moi, je te dis, c'est 3. C'est 3, c'est sûr. C'est sûr. Ah, mais non. C'est confondu. Oh non! Oh, il a fait la racine! Oh non! Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 4! Non, il a fait 4! Oh non, Zoulou! Aïe aïe aïe! Il a choqué! Aïe aïe aïe! Les dieux du village! Oh le bête! J'ai plongé dedans! Non, non, Zoulou! J'ai couru trop vite! One Piece! Alors, question très simple, cela dit. Avec quoi Zoro se bat-il dans One Piece? Est-ce qu'il se bat avec 3 sabres, 3 cotons-tiges, 3 sabres laser ou 3 dagues? Yann! C'est vous! Par contre, en vrai, ça aurait été stylé. Ça aurait été rigolo. De jeune. Quoi? Non, non, je connais pas, moi. Je connais pas. Mais quel scandale! Mais qui se bat avec 3 cotons-tiges? Mais je n'ai jamais rien vu en animé. Je m'en bats les. Quelle est la capitale de la Thaïlande? Bah, toi, tu sais. Génie, elle est tranquille. Parce que il va souvent. Alors, est-ce que c'est Séoul, Doha, Bangkok ou Montpellier? Pourquoi Trini? Montpellier, t'es loin. Ouais, parce qu'elle y va souvent. Régulièrement. Ah non, il y a pas de je crois que vous en parlez Trini. Le tourisme sexuel. Qui interprète le personnage d'Obélix au cinéma? C'est Gérard Depardieu. Bonne réponse. Comment s'appelle le mari de Kate Middleton? Monsieur Middleton, j'imagine, mais je m'en bats les couilles. Très bien vu, encore une fois. Quel célèbre animal de quelle ville la pizza provient-elle? Italie. La ville? Naples. C'est une bonne réponse. D'où la rosette est-elle une spécialité? Nord-Pas-de-Calais. Et manga, est-ce que ça regroupe animé et manga ou juste manga? Les deux. Putain, Nolan, j'ai bloqué. Je suis pas très forte, mais au moins peut-être que j'aurai des points, donc manga. Manga, très bien, animé. Je préviens, je suis nul. Hein. Merci beaucoup. Bon, oh, non, je suis désolé. Tu vas te refaire sur Histoire de France. Ça va, gros, okay. 3, 2, 1. Comment s'appelle le héros de Code Geass? Je ne sais pas. Quelle est la technique la plus connue de Dragon Ball? Non, bah. Je vais quitter le plateau. Hein. Bonne réponse, on revient. Quelle est la technique la plus connue de Dragon Ball? Mais en fait, j'allais dire une connerie. Mais laissez-le. Laissez-le. Ah putain! Sors-le! Sors-le, il est en toi! Je suis désolé, le chat! Terminé! Tu l'as en plus! C'est terminé, c'était le. C'est pas le Hadoken? C'est bien sûr! Non, non, pour ça. Kamehameha. Kamehameha. Alors là, il y a gastronomie, télévision, super-héros. Aucun, moi qui m'a. Super-héros, c'est pas mal aussi. Ouais, mais je sens que. Zari, t'es un super-héros! Ça peut être vicieux quand même. Le panache! Zami, il est trop fort. Histoire de France, c'est si vraiment t'es au-dessus de tout, quoi. Voilà, vas-y, Histoire de France. Surtout qu'il veut plus qu'il t'aime. T'as fait Histoire de France? Oh, le bon Histoire de France! Mais... Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? 116. C'est une bonne réponse. Oh, le boss, au cours de quelle grande affaire Émile Zola écrivait-il au réquisitoire? J'accuse! Je sais plus, un colonel de merde là. Non! Vas-y, passe. Et qui est le président de la République qui dit au revoir? Valéry Giscard d'Estaing. C'est une bonne réponse! Bonne l'historien! J'ai jamais vu ça! Ça fait une semaine et demie que je suis malade. Remercie ma fille de 15 mois qui m'a refilé les meilleures maladies. Parce que je travaille qu'avec les meilleurs, les gastro. Les gastro. avec qui Antoine Decaune faisait-il des appels sur Canal Plus? C'est une bonne réponse. Quel est le nom de la première télé-réalité française? C'est Castori.
Non, on termine avec un échec. Je ne peux pas l'accepter. Attends, sur ma vie, refais-le. Attends, la télé n'est pas morte. La télé n'est pas morte. Le quiz mystère me chauffe. Quiz mystère, c'est pour toi. Tu en fait, je me dis qu'il faut prendre beaucoup de points. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est toi. Vas-y, quiz mystère. On va porter ses couilles. Allez, m'écoute. Si je fais zéro, je suis pas déçu. C'est pour toi. Allez, PA. Ah, franchement, t'as des énormes couilles, quoi. Mais vraiment, tu es. C'est. Ouais, voilà. Il est impossible. Ah, bon courage à tous. Hein. Combien à 10$ près a coûté le logo Pepsi 60. J'ai donc 60 déjà. Combien à 10$ près a coûté le logo Nike 100. Non. 10. Et je t'en fais. Ouais, désolé, j'ai toussé, donc je te fais une dernière question. Dur, hein. Combien d'argent Jiraya a-t-il mis dans Summoner's War 20K. Dis pas que t'as mis 10 000 quand même. Bon, j'ai mis plus, j'ai mis entre 15 et 20K, je suis passé chez Energy, on l'a dit en live, t'as été choqué. Bah, apparemment, pas assez pour retenir la bonne réponse. Ça fait plaisir de venir dans ces émissions et d'être écouté. Il n'écoute pas ses amis. De quel pays vient l'emmental? De France. Non. Combien de minutes faut-il pour cuire un œuf mollet? 6 minutes. Ah, presque. De quel pays chili con carne est-il originaire? Du Mexique. Non. La tomate est-elle un fruit ou un légume? Un fruit. Oui, je l'accepte. 3. 2, 1. Avec quel acteur Angelina Jolie a-t-elle été mariée? Brad Pitt. Bonne réponse. De qui Benjamin Castaldi est-il le fils? Castaldi aussi, mais son père. Bien vu. C'est une question. Le grand quiz 1. Qui était le 7e candidat à entrer sur le plateau au début de l'émission dans le quiz numéro 1? What? Exar, il faut assumer ses thèmes à un moment. Sky. Skyheart. Réponse. Skyheart. Il est tellement fort. Mais son prénom est Anne ou pas? Anne? Pas du tout. Alors il me semble qu'en effet il y a du N qui traîne dedans. C'est possible. On va voir la réponse. Pas du tout. Des déchets. C'est presque la traîne, ça la traîne. Merci. En tout cas merci il à tous. Y a André. Il y a le N. Il y a le N. Allez, cinéma bien sûr. Comment s'appelle le personnage incarné par Mel Gibson dans Braveheart? Braveheart. Non, je sais. Mel Gibson, Sophie Marceau. Et il me faut une réponse. Oscar aussi, d'ailleurs. La boum. J'ai la musique. C'est le mec que je... J'ai la musique. Mais pourquoi t'as pas pris une musique de film? En fait, change de thème, gros. Mention spatiale, pour quelle raison est connu Denis Tito? Denis Tito, il est ricain. C'est un ricain, Tito. Oui. Et il est cool en plus, très très cool. Tu chauffes là. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, 5 secondes. Premier américain. Dans la station spatiale de la première là aucun sens. Salut. C'est un téléphone américain, un millionnaire, c'est le premier touriste de l'espace. Ah ouais, fuck. Pendant la manche 2, quelle a été la première réponse d'Hugo lors de son second passage? Oh. Je suis sûr il l'a. Ah non, je sais même pas. Alors là, j'ai tryhard les 20 premières minutes mais Hop. Xari. Je vais dire Roucoul parce que c'est la seule qu'on connaît. Et c'est une bonne réponse. Incroyable. Lors du Shifu Mi qui a servi à départager John Rashid et Domingo pour la manche numéro 2, qu'a joué Domingo? Bah c'est random gros. Il a fait quoi tout à l'heure? Zilla, il a fait quoi tout à l'heure? Ce plateau. Tout à l'heure il a fait ciseaux, ciseaux. Et c'est une bonne réponse. De quelle couleur est le lave-linge que Cam veut? Alors là c'est un pif. Ça se tente. Alors j'avoue que là c'est fou la régie. Ça va sûrement pas être mauve donc tente un truc facile. Tu sais quoi? Je sais pas parce que je suis un petit truc fantasy. Je tente le rouge. Rouge? Ah non, Hugo qui fait non, c'est quoi? Coquille d'œuf. Quoi? Oui, d'accord, donc apparemment c'est coquille d'œuf. Ça, c'est très précis. Je me rends pas compte du niveau des questions. Moi qui ai beaucoup regardé Modern Family, je t'assure que les réponses de Hugo, elles sont insane. Ah ouais? Mais vraiment. Voilà, c'est bien d'avoir les infos. C'est vraiment sur sûr. Franchement, la couleur coquille d'œuf, c'est un truc de ouf. Oh. Combien y a-t-il de régions depuis la nouvelle division des territoires de 2017 en France métropolitaine? C'est pour moi, 37. 37. Mais non, je bluffe. Il a dit 37. C'est validé. Je sais beaucoup moins. Non. Mais pour le bagou. 14. 4. Ah ouais. T'es pas loin. C'est le classement qui est prêt. Tout de suite, attention. Exarive. 21 points, Hugo. 7 points, Alix, 11 points. Tu en auras un deuxième. C'est exactement le même avec marqué 2 dessus. Et toi là. Merci. Xari, un petit mot. Il va parler. Macron. Il est ému, il est ému. Discours, 100 balles en plus, peut-être sur le SMIC. Non, mais en vrai, je suis très fatigué et j'ai tryhard un peu mon thème quand même.
en évidemment bluffant en disant oh je ne sais rien. Donc j'avais un peu tryhard mon thème quand même, j'allais regarder un peu la vidéo. Merci à tous, je vous embrasse, passez une agréable soirée. Qui c'est qui arrive? Oh regardez, Aine qui arrive. Salut Trini. C'est pas grave, pas de soucis. On vous embrasse tous, passez une agréable soirée et à très vite sur le stream ou ailleurs. Salut. Bisous.